il est humide, votre terreau, il doit toujours être humide. Quand vous avez fini, vous le remettez soit là-dedans, soit vous le couvrez. Ouais, il faut le couvrir, oui. Sinon, vous allez avoir un terreau sec. Un terreau sec, c'est très difficile à réhumecter. L'eau, elle passe tout droit. Voilà. Vous n'hésitez pas à faire ça sur les, bien sur les côtés. Et à bien enfoncer les côtés, parce que c'est toujours ceux-là qui sont les moins bien faits. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça comme ça... Voilà. Donc, ensuite, on prend le morceau de bois, là. Et tu tasses. Et on tasse. D'accord. Donc là, je voulais me faire une, petite machine, moi. Ah oui, on va faire, on remplit. Il a commencé à tasser. Là, c'est bien tassé. Ah oui, oui. Bah, tu vois, comme j'ai fait. Ouais, hein. Je suis pas monté dessus avec les deux mains non plus. Même, ouais. Je refais encore une fois. D'accord. Et ensuite, une fois que vous avez semé, après, on prend un, un morceau de terreau et avec un petit tamis, ouais. On fait ça. Et on recouvre différemment en fonction de ce qu'on plante. Le plus la graine est petite, le moins on recouvre. Ouais.